Salut les gars, on se retrouve dans une vidéo. En fait, c'est une vidéo là. Là, je me sens hyper motivée et tout. Et en fait, je vais faire des mots de motivation. Là, je suis sur mon lit, tout au long de mon lit, voilà. Comme ça, dès que je vais me réveiller le matin, je serai directement face à ces mots. Des mots de motivation comme « Leslie, t'es intelligente », « Leslie, tu es belle », « Leslie... » Genre des mots de motivation. Donc c'est ça, et je vous laisse avec la suite, tout simplement. Voilà. Aussi, je voulais dire que pour cette vidéo, on aura besoin de pâte à fixe et de feuilles, n'importe quelle feuille. Moi, les feuilles là, je les coupais en deux parce que je vais vraiment faire des grosses inscriptions en mode tu es intelligente, tout en gros, tu vois, pour vraiment que ça rentre dans ma tête et ça y sort pas. Voilà. Et je vais écrire en ma couleur préférée en rose fuchsia comme ça. C'est bien. Ça, le premier mot que j'ai mis, Leslie, tu es intelligente. Voilà, en gros. J'avoue, j'ai pas fait d'effort et tout. Montre-moi. Pour l'instant, voilà. Ok, attends. Attends, je vais le fixer. Là, je vais fixer sur le mur le premier mot. Voilà. Quand je me réveille, je vois ça. Leslie. Tu es intelligente. Et voilà. Je sais pas si vous voyez. De ce côté là, je l'ai mis. T'aime pas. Ne te sous-estime pas. Parce qu'on a trop tendance à se sous-estimer. Alors que chaque personne a de sa valeur. Donc ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur en fait. Et même toi qui me regardes à travers cette vidéo, tu as de la valeur et ne te sous-estime pas. Voilà, qui que tu sois, tu as de la valeur et tu es pas né pour rien en fait. C'est pas pour rien que tu es ici. Bah. Voilà, j'ai fini. Yeah, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En fait, c'est la continuité d'une vidéo que j'avais déjà fait par rapport à ce mur de motivation. Déjà là, il est bien rempli. J'ai bien avancé. Attendez. Donc voilà. Pour vous dire les gars, c'est un peu une vidéo un peu basse to school, mais plus motivation en fait. Faut pas être à l'école pour être motivé, faut pas être en activité professionnelle ou je sais pas quoi pour être motivé. Faut être motivé parce que on a une vie et la vie en fait mérite d'être vécue et on est, et voilà. Et donc c'est ça. Donc les gars, vous êtes des personnes géniales, ne vous sous-estimez jamais. Pendant un moment je me suis sous-estimée et même il y avait un moment j'étais en bas de nuit. J'avais pas de motivation, je faisais presque rien. Même c'est pour ça, pour les personnes qui regardent mes vidéos régulièrement, bah je faisais plus de vidéos et tout. Donc voilà, si après c'est comme ça, genre j'ai des moments de croissance et des moments de décroissance comme ça. Et c'est ça, c'est la vie. Mais dans ces moments-là, faut relativiser. Il faut pas se jeter la pierre, quoi. Donc voilà. C'est ça, motivez-vous les gens, vous avez du potentiel, tout le monde a du potentiel, juste stimulez ce potentiel et investissez en vous et vous allez voir, vous allez tout péter, vraiment tout péter. Et surtout que maintenant, bah voilà, pour ceux qui croient en Dieu et même ceux qui ne croient pas en Dieu, j'ai commencé à reprier, mais prier d'une autre manière. Ça veut dire prier en déclarant et en manifestant en fait. Là, la prière a un beaucoup plus grand impact et c'est plus motivant pour moi. Et je vois vraiment que genre je me sens, vous voyez, même là quand je parle, je me sens bien, je me sens
en accord avec moi-même et j'ai envie d'être comme ça toute ma vie, Donc voilà, j'ai un peu vous lire un peu ce que j'ai écrit sur mon mur de motivation. Donc commençons, ça c'est un truc que j'ai rajouté, je l'avais pas. Il y a écrit « Crois en toi, Leslie, tu es belle ». Donc ça, voilà, c'est des affirmations positives que je me le dis chaque matin et même quand je suis là dans mon lit, je regarde mon tableau et en fait je les vois et je les dis vraiment à voix haute pour que ça rentre bien dans mon coco quoi. Tu es belle, tu es intelligente, tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir de toutes choses et c'est moi en fait l'architecte de ma vie en fait. Donc ma vie est telle qu'elle est parce que c'est moi qui la dirige en fait. Nous sommes libres et libres de tous nos choix dans notre vie. Donc c'est ça. Donc à partir de maintenant, en fait, je vais prendre conscience que en fait ma vie n'est pas un jeu. Ma vie, voilà, on vit qu'une seule fois et la vie mérite d'être vécue comme je vous l'ai déjà dit. Tu as de la valeur, j'ai de la valeur. Pense positif pour attirer positif. Voilà, et comme je vous ai dit, j'ai commencé à prier d'une autre manière en déclarant et en manifestant. Et en priant comme ça, en fait, il faut être positif, il faut attirer en fait les bonnes choses. Et donc, c'est hyper important, travailler sur son mindset, sur ce qu'on a là à l'intérieur. Sois fort, donne-toi les moyens de réussir. Vraiment, cette phrase est... C'est incroyable, donne-toi les moyens de réussir. Ça sert à rien d'être motivé et tout, et d'être là et tout. En fait, de penser positif et tout, et d'être là juste comme ça, et pas passer à l'action. Donc non, on fait ça, mais on se donne les moyens de réussir en fait. On se donne les moyens de réussir. Et voilà, donc c'est ça. Donc ouais, après, j'ai écrit mes objectifs pour le mois d'août. À tous les mois et dans l'année, je vais me faire des objectifs que je vais atteindre en fait pour avancer de la bonne manière. Je vais aussi me faire un mood board, je vais le faire avec vous. Voilà, je vais vous lire un peu tout ce que j'ai écrit. C'est l'esprit subconscient qui crée l'action. C'est vraiment l'esprit subconscient, c'est l'inconscient, ce qu'on a en fait. Vraiment. Derrière qui crée l'action en fait. Si notre esprit subconscient ne suit pas, bah en fait c'est mort. Et je vais vous mettre un peu, j'ai fait une vidéo, mais qui je suis, je vais vous la mettre dans le petit i. Elle est hyper intéressante, en plus j'en parle, voilà, de ça, de cette phrase. La répétition de l'action de tes pensées bâtit ton mindset. Voilà pourquoi je me suis fait des affirmations positives sur mon mur. Écoute les bonnes choses, oui, écoute les bonnes choses. Sois avec les bonnes personnes, des personnes qui te motivent, écoute les bonnes choses pour en fait entretenir en fait cette pensée que tu as en tête. Et voilà quoi. Après, autodiscipline, soyons disciplinés. Je suis dit, à ce moment-là, je suis grave disciplinée. C'est les vacances, je me réveille tous les matins à 9h. Ouais, à 9h pour être disciplinée. Et je me suis même fait un planning en fait. Vous voyez là ce planning. Un planning de la journée journalière et un planning aussi hebdomadaire des choses que je dois faire toutes les semaines en fait. En tout cas c'est ça. Donc voilà, je vais vous lire un peu une autre fiche là que j'ai accrochée. Là je l'ai décrochée spécialement pour vous. Sur cette fiche il y a écrit le pas entre la vision et le rêve c'est l'action. Donc voilà, ton potentiel doit être stimulé. Pour activer la croissance et pour que ce potentiel soit croissant, il faut lui donner de la nourriture et cette nourriture c'est investir en soi. N'aie pas peur de déranger. Quand tu as quelque chose en tête et tu veux faire quelque chose, n'aie pas peur de déranger, de demander de l'aide, d'aller voir les gens. Aie foi en toi, en ta personne, ouais. Écris ta vision, écris tes rêves et tout ce que tu veux accomplir.
mes décisions sont des dominos dans ma vie. On se demande, il y a parfois on se demande, mais pourquoi cela m'arrive en fait? Qu'est-ce qui m'est tombé en fait sur la tête? Pourquoi à moi? En fait, c'est par rapport à tes décisions précédentes. Donc, à partir de tes décisions précédentes, bah voilà ce qui t'arrive. Donc, tes décisions sont des dominos. Et fais des objectifs dans le mois et l'année, comme je vous l'ai tant bien expliqué. Donc, voilà, ça s'arrête à là. Donc, voilà. Pour toutes les personnes, là, on est au mois d'août, c'est encore les vacances qui vont commencer en fait l'année scolaire. Donc, ça veut dire en septembre, l'année scolaire universitaire, collège, lycée. Je sais pas qui me regarde là, mais voilà, investissez en vous et vous êtes les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Et même, et pour toutes les personnes qui veulent changer leur vie, et changer leur vie dans le sens où de vivre plus clairement et avoir un but, bah voilà. Voilà, reboostez-vous les gars et je vous aime. On va avancer ensemble. Voilà, plein de bisous. Et si la vidéo t'a plu, ouais, je suis heureuse. Ouais, ouais. Like, commente et abonne-toi. Abonne-toi et partage cette vidéo à une personne qu'il faudrait reboostée comme ça. Et surtout, abonne-toi, comme ça tu rejoins la famille et on agrandit cette petite communauté. Voilà. Ciao, bisous, bye.